Que ça bouge, mais faut que je règle. Allez, revenons et rentrons dans la course. À l'issue de ce deuxième tour, on retrouve donc Malouane, Mathieu Lehar, en troisième position, Baptiste Panissier, en quatrième position, Luc Dorian. Qui a pris le tour joker pendant que regardez à gauche et à droite, Panissier a pris le tour joker et Luc Dorian a pris lui aussi le tour joker. Ce qui laisse tranquille le pilote Saint-Gilles, Edgar Malouane, qui est le fils de Philippe Malouane qui roule en supercar que nous retrouverons tout à l'heure. Panissier avec Dorian et le 1, Mathieu. Regardez l'image comme elle est belle, si vous appréciez les belles images. C'est l'abbatiale qui est juste allumée par le soleil. Ça c'est un moment de télévision ou de photo. Vous voyez comme c'est beau, on voit que le sommet de l'abbatiale. Alors que là sur la bosse passe Edgar Malouane, le pilote du type GeForce. GeForce il se couche à 21h, il n'y a plus personne. Mais par contre, c'est très pro. Bien. Ah, je suis vraiment bien. Bon, désolé pour la qualité, j'étais pas prêt à régler. Allez, le départ avec un superbe décalage encore une fois pour Mathieu Frottin, le pilote du team Vision Promo Sport. Et Arthur Alain, en rose et bleu. Nous, on a droit en rose à gauche et dans le fond du circuit, le rose et bleu. Qui prend le tour joker, hein, tout le monde prend le tour joker. Et le tour joker, on s'est aperçu que dans le premier tour, si ça allait, ça ressortait très vite. Allez, le passage change pas entre les deux, du face au deuxième. Arthur Forger à la troisième place, à la quatrième, Tom Le Jossec, et à la cinquième, Florian Moreau. Pas mal d'idées de Tom Le Jossec. Il y a trois semaines, il a pris le tour joker d'entrée. Et là, il va revenir maintenant sur Arthur. Arthur qui ne prend pas le tour joker. Il laisse passer le pilote du type Dufas. Et voilà, donc Dufas qui voit passer devant lui. Tom Le Jossec, le pilote Pégase. Avec Pégase, Pégase. Alors quand on fait le tour du team Bastet, il a roulé toute la nuit, lui qui revient du rouleur, qui s'assoit dans ses yeux et en train de dormir debout. Heureusement qu'il y a un rose flashy qui l'a réveillé. Et les tours joker. Petit à petit, on rentre, à mon avis, dans le tour intéressant qui est le troisième tour.
Damien. Et le drapeau à Damien avec la victoire de Mathieu Frotin, devant Tom Le Chaussec, Brian Dufas, Florian Moreau et Arthur Forger. Je pense que... Alain. Hey, c'est parti, c'est un peu... Ah, le duel portable de Boudouille. Et il va se mettre à l'intérieur, le pilote de... C'est Romain Masselin, ça. Eh oui, parce que... Ouais, j'ai vu Arthur Le Boudouille, il tombait dans une petite tente qui jouait un poids posé en plein milieu, là. Il a pas peur, lui, que quelqu'un le pousse dessus. Ouais, il est à la dure. Hein. Allez, à la queue-leu-leu et ton joker pour le pilote du team GeForce. Mec, les équipes sérieuses ont aussi un plan de route. Masselin ne le lâchera pas, le pilote Massé. Dylan Dufas, quatrième. Et c'est le leader du championnat, la vie trouée. Dans le premier tour. J'aperçois la... le team de Nicolas Hézan qui regarde justement le passage dans le premier tour. D'accord, on perd 4 secondes, mais regardez où il arrive maintenant alors que les autres sont dans le tour joker. Ça va se jouer portière contre portière, mais il va sortir où? Et bien il sort justement derrière Masselin. De rien, mais derrière Masselin. Faut être tactique. Dylan Dufas est deuxième. Masselin, Boué, Portal. Le pilote, le régional de l'État. Le pilote MNRT, dont le manager est Dorian Marceau, l'honneur à Tic-Tim. Bonjour, tu vas bien? Voilà. Alors, il y a des choses que vous ne voyez pas qui se passent autour de moi, mais c'est laver des cheveux. Ah, oh ben on prend de la poussière ici. Incroyable, hein, c'est un vrai breton, mais là il est bien. Pourtant on est en Normandie et ça donne le meilleur.